coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Allez, donc on va regarder les petits messages, ok, que je peux te faire passer. Allez, on y va. Alors, comment je vais faire? Parce que ne bougez pas. On va faire autrement parce que sinon je peux pas. Je suis obligée de faire comme ça. Donc là, on parle de comme si bah, tu es trop isolé, trop enfermé. Tu as ce côté un peu nana ou homme chien battu, la victime, tu vois, trop te victimiser concernant. Alors, il y a des nanas comme ça, hein, trop à attendre un homme ou une femme. Ouais, mais quand? Après, tu peux avoir des hommes aussi comme ça, qui sont là, qui ont plus de vie et qui sont là à attendre quelqu'un. Alors, en général, ça peut être quelqu'un que tu connais, mais quelqu'un qui fait sa vie, tu vois. Et tu vas être là à attendre que Médor ou Lassie viennent enfin te donner ce que tu veux. Donc, il y a des nanas et des mecs comme ça. Et ben, c'est triste. Hein. C'est triste parce que y en a, ils attendent le retour homme-femme. Ouais, mais non. Non. Parce que ces hommes et ces femmes font leur vie avec un autre homme ou une autre femme. Et que vous ne serez jamais ensemble. Et que il y en a certains qui pourraient s'ouvrir, essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y en a qui connaissent déjà quelqu'un avec qui il y a eu des choses. Mais au final, il n'y a rien eu de concret à cause de notre homme ou notre femme qui fait sa vie. D'autres commencent à avoir des petites discussions, mais vous vous auto-bloquez. Donc, ben, vous perdez vos années, c'est tout. Que ça soit ceux où il y a eu quelque chose, mais on attend le retour de Médor ou je sais pas quoi. D'autres, écoutez, d'autres qui commencent à discuter, c'est un peu le hasard fait bien les choses, mais bon. Moi, je pense que non, vous devez avancer dans vos vies et que ben, y a des hommes, des femmes qui ont eu une petite histoire, mais ça a pas duré parce qu'il y a des mecs et des nanas qui attendent quelqu'un qui est très épanoui en couple. Donc, vous faites du mal à des personnes.